Hey, il fait soleil aujourd'hui, si c'est pas incroyable. Je crois que je vais aller filmer le ciel. Parce que, bon, là, il n'est pas encore très beau, mais comme moi, je suis plein ouest, ça va être vachement joli cet après-midi. Donc, je vous filmerai le ciel, je pense. Parce que, franchement, en ce moment, il est tellement moche. Souvent. Bref, je serai la plus belle pour aller danser. Non, pour aller filmer, peut-être cet après-midi. Faut pas avoir honte, hein, de se montrer comme ça. Mais franchement, j'ai pas honte. J'ai honte de plein de trucs, mais pas ça. Donc, écoutez, ma foi, mon petit bonnet de chez La Belle Boucle. Mon masque qui pose. Alors, j'en avais pas trop, finalement, ça s'est vachement bien mis. Il était un poil liquide, je pense que c'est parce que ma crème de maïzena, je l'ai pas faite assez épaisse, mais c'est pas grave. J'ai mis sur mon menton argile verte plus miel, parce que les boutons, là, hormonaux, c'est juste plus possible, en fait. Donc, je mets du miel toujours parce que ça a des vertus cicatrisantes et apaisantes et hydratantes. Et l'argile verte, ça va venir purifier, dessécher. Du coup, le combo des deux ensemble, ça fait que l'argile ne sèche pas. Du coup, je peux laisser poser vachement longtemps. Donc, je vais essayer de laisser poser, je sais pas, un certain temps. Ça, pareil, ça va poser un certain temps, je sais pas, 1 heure peut-être. Et j'en profite pour vous montrer, ça n'a aucun rapport, la mousse au chocolat. Donc, j'en ai mangé un petit peu hier soir. Je la trouvais un poil liquide, mousseuse, mais un poil liquide. Peut-être qu'après avoir passé la nuit au frigo, elle sera mieux aujourd'hui, à voir. Mais franchement, dans l'idée, c'est pas mal. J'aime bien. Et voyez, avec une conserve de pois chiches, ben, j'ai fait tout ça, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Et niveau quantité de chocolat, ben, j'ai fait ça au pif. Et ça me paraît, ma foi, très bien. Voilà. Donc, Maïté, avec sa mousse au chocolat, qui est en train de se casser la gueule. Et son merveilleux masque. Que tout ça c'est fait, je vais pouvoir vous parler vernis. Donc j'ai appliqué cette base de chez Cure Bazaar que j'ai depuis un moment. J'ai pas mal de vernis tout ça depuis un moment. C'est la super base au silice, donc je l'ai appliqué. Puis j'ai appliqué une couche de mon vernis Green Manucuriste dont la couleur est... Dont la couleur est quoi? Ah, ça doit être marqué là. Victoria Plum, voilà. Et j'appliquerai pour terminer le top coat, donc qui est le dry finish de chez Cure Bazaar. Voilà, donc là on va passer à la deuxième couche, mais je vais peut-être allumer le flash parce que vous ne voyez pas grand chose. Bon, le flash ne veut pas s'allumer, c'est qu'il estime que vous devez avoir assez de lumière. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et je vais essayer de m'appliquer correctement ce vernis. J'aime beaucoup beaucoup cette couleur. Maintenant le tout c'est d'attendre assez longtemps que ça sèche pour ne pas l'abîmer. Donc 2 couches ça suffit, hein, j'en ferai pas 3. Par contre 1 c'était pas suffisant. Et ce que je vais faire c'est que je vais attendre que ça sèche bien bien bien. Et je mettrai le top coat quand ce sera bien bien sec. Alors vous voyez, il y a 1 ou 2 endroits où ça a un tout petit peu dépassé sur ma peau. Mais c'est vraiment pas grave, ça partira quand je me laverai les mains. Il est vraiment vraiment beau ce vernis. Je voulais vous montrer, je viens de recevoir un colis. C'est un colis de Private Green que j'avais passé, donc commande il y a je sais pas combien de temps, 15 jours, 3 semaines. J'avais pris des produits de la savonnerie du Nouveau Monde, donc qui est une savonnerie certifiée Slow Cosmétique qui est très très bien.
Et du coup, bah, c'était sur Private Green, donc j'ai passé commande. D'ailleurs, elle y est encore, mais je ne sais pas si elle y sera encore quand vous verrez ce vlog, mais ça a l'air de revenir régulièrement. Et vous avez 5 euros de réduction si vous mettez mon mail en parrainage lors de votre inscription sur le site, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai pris tout d'abord un coffret qui se trouve comme ceci pour offrir à Noël. Donc c'est un coffret avec 6 savons de 50 grammes. Donc il y a le tea tree purifiant, le lavande relaxant, le menthe poivrée dynamisant, le géranium apaisant, l'eucalyptus stimulant et le basique nourrissant. Je trouve ça super comme idée cadeau, c'est vraiment super chouette. Du coup, bah voilà, je vais offrir ça à Noël. Et après, j'ai pris des savons pour moi et aussi pour offrir. Et je pensais que c'était des pains de 100 grammes. En fait, ce sont des petits savons de 50 grammes, exactement comme ceux du coffret. Donc, vous voyez, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà. Alors je suis un peu déçue que ce soit pas des gros. Après vu le prix, bah forcément je trouvais ça hyper avantageux. C'était bizarre. Forcément c'était bizarre. Ce que j'aime pas du tout, c'est qu'ils ont collé les étiquettes partout sur le nom des savons. Va falloir que je m'amuse à tout décoller proprement pour les savons que je veux offrir. Mais voilà. Donc c'est vraiment le bon plan. Et là j'ai vu il y a des déos, il y a d'autres trucs super sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et les petits savons sont vraiment trop bien. C'est des savons sur grasse, saponifiés, à froid. Moi comme j'aime. J'adore les savons. Vous voyez, hop. Voilà, un joli petit savon, tout simple. Tout basique, celui-là. Il sent bon, mais il sent pas fort. Et ça, j'aime bien aussi. Je ne sais même pas à quoi c'est celui-là. Ça peut être marqué sur le côté. Avocamande, voilà. Voilà, voilà. Donc, pour la petite vente privée, la savonnerie du Nouveau Monde. Je voulais vous montrer aussi, hier, j'ai reçu un petit cochon de la marque Comme Avant, qui est aussi une marque certifiée Slow Cosmetics et une marque donc, de produits solides. Vraiment très très sympa et les produits sont top. Je les ai remis dans le pochon parce que j'aime bien l'idée d'être du pochon. Mais franchement les produits sont top. Donc déjà on a un dentifrice en poudre. Donc à base d'argile, de carbonate de calcium, de menthe. Et je ne sais pas ce que c'est que le Salvadora Persica. De toute façon vous savez que moi j'analyse toujours les compos pour vous en parler après. Donc j'ai presque fini mon dentifrice. Ça tombe bien, je testerai celui-ci. On a dedans une crème naturelle solide au beurre de karité, donc dedans de l'huile d'olive, du beurre de karité, du maïs et de la cire de candelilla. Donc franchement, vraiment ultra basique mais ultra bien. Donc c'est vraiment, vraiment très très chouette. On a encore un savon, j'aime trop les savons. Savon naturel à l'huile d'olive. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'huile essentielle dans leurs produits et ça c'est vraiment top. Ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser. Donc ouais c'est ça. Tout simplement de l'huile d'olive en fait et de la glycérine. Donc c'est un petit savon basique. On a un déodorant au beurre de cacao. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Du beurre de cacao, du carnauba. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas la beurre de bicarbonate, tiens. Tiens, tiens, tiens. Donc nous avons été interrompus par un coup de téléphone. Et conclusion, le soleil s'est couché. J'allumais les lumières, mais comme d'habitude, c'est pas suffisant. Le flash s'est allumé. Je vous disais donc qu'il y avait un petit déo qui, ma foi, a l'air très très bien et qui ne contient pas de bicarbonate. Donc ça, c'est cool. Ensuite, à l'intérieur, on a un petit shampoing solide à l'argan et au rasoul à base de SLNI. Donc ça, c'est cool. Donc de rasoul, d'huile d'argan et de cire de candelilla. Donc vraiment des compos ultra simples et sans huiles essentielles. Et des paillettes de savon naturel à l'huile d'olive. Donc voilà, tout simplement, avec de la glycérine. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette ce petit pochon. Je suis très contente, je vais tester tout ça. Et c'est une très belle découverte de voir que c'est donc certifié Cosmebio, Slow Cosmétique, qu'il n'y a pas d'huile essentielle, qu'il n'y a pas de bicarbonate dans le déo. Et que le shampoing solide est à base de SLMI, c'est une superbe découverte. Donc voilà, c'est comme avant. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. On est quoi? On est dimanche. Dimanche combien? 22. Je crois que c'est ça. Dimanche 22 novembre déjà. Oh, non mais dans un mois c'est Noël. C'est juste pas possible en fait. Hein. Moi ça, généralement je suis surexcitée entre guillemets juste avant Noël et après il y a la chute genre après Noël là quand c'est janvier février je déteste. C'est creux, il se passe rien, il n'y a plus l'émulation des fêtes et tout. Mais alors là, ça passe trop vite. Il faut absolument que je profite. Voilà, c'est ce que je me dis tous les ans. Il faut absolument profiter de cette avant-fête, même si cette année, c'est très bizarre. Mais voilà, il faut profiter. Bref, ça fait un moment que je vous ai laissé encore. Voilà.
Je me suis lavé les cheveux ce matin, j'ai fait un bain d'huile, je vous montrerai après puisque je les ai pas là sous la main ce que j'ai fait. Il y a la caméra qui est prête là, quand mes cheveux seront secs, je vais filmer enfin la vidéo sur les culottes menstruelles. Et je voulais rapidement revenir avec vous sur les produits comme avant que je vous ai montré précédemment. J'ai été voir sur leur site un peu et en fait c'est vraiment vachement bien. Donc aucun des produits ne contient, donc c'est ça les produits comme avant, j'ai reçu les savons, etc. Aucun ne contient d'huiles essentielles, les compos sont vraiment minimalistes, ultra clean. C'est bien ça, il n'y a pas de bicarbonate dans le déo. Il n'y a pas de tensioactif agressif dans le shampoing solide. Tous leurs packaging sont en craft, donc ultra cool au niveau du recyclage. Et certains produits sont rechargeables, comme le dentifrice. Il est dans un pot en plastique, mais il est rechargeable. Le déo, regardez, c'est un tube comme ça, hop, c'est rechargeable, c'est trop trop bien. Et la crème au beurre de karité, elle est rechargeable aussi. Donc c'est vachement bien. Donc voilà, je voulais vous en faire part parce que franchement, j'ai rarement vu une marque aussi engagée au niveau du zéro déchet. Et aussi clean au niveau des compos et aussi minimaliste aussi au niveau des compos. Vraiment, on n'a que le strict minimum essentiel. Alors c'est sûr, pour ceux qui veulent des trucs qui sont ultra bons, forts et tout, bah non, c'est pas du tout vers ça qu'il faut se tourner. Mais pour le coup, moi, j'aime beaucoup ce genre de produit. Voilà, donc c'est vraiment une chouette marque que je ne connaissais pas plus que ça, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Ça y est, je suis dans la place pour filmer la vidéo sur les culottes de règles. Alors, il y a Perle qui m'accompagne, le joli ciel que vous pouvez voir dehors, Marine Light. Pour l'occasion, j'ai sorti les petites guirlandes, la petite guirlande qui fait un peu effet Noël, et mon joli plaid, voilà, parce que c'est l'hiver et parce que j'avais envie. Voilà, voilà, c'est parti. Voilà, je viens de filmer deux vidéos, j'ai sorti les petites bouboules et ma petite lampe pour faire joli. J'ai filmé la vidéo des culottes menstruelles et la vidéo de mon haul sur les Beauty Days de Mademoiselle Bio. Mes cheveux sont bien brillants quand j'ai la lumière artificielle comme ça, même si je trouve qu'en ce moment les boucles elles sont moins bien. Là j'ai mis mon petit châle Brium pour l'occasion de cette vidéo parce que ça me faisait plaisir. Et je vais vous montrer les backstage. À la vidéo d'avant, j'ai mis une robe que j'ai achetée chez Kiabi il n'y a pas très longtemps, que je trouvais très belle, et franchement, mais je suis ultra blasée. Alors, je suis désolée, vous bougez, vous n'êtes pas posé sur un pied pour une fois. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vous reprends par en dessous, c'est assez peu délicat comme point de vue. Bon, bref, du coup, c'est une robe que je trouvais très sympa, avec des petits boutons devant, comme ça. C'est la robe que vous pouvez voir dans ma vidéo sur les culottes menstruelles. Et derrière, le dos, je trouvais très sympa aussi, sauf que je me suis penchée en avant pour ramasser un truc. Alors elle est pas du tout trop petite, hein. Sauf que bah voilà, l'intégralité de la couture ici, en fait, qui joint le sort de truc en dentelle et le tissu, bah voilà, j'ai un énorme trou en fait, tout simplement, ça s'est craqué. On est content, j'adore. Donc je vais essayer de la rafistoler, hein, parce que voilà, je l'ai quand même payé 20 balles, je crois, donc c'est plus de 20 euros même, je crois, 25 euros. C'est très cher pour porter une fois une robe qui va complètement se défoncer. Voilà, j'aime beaucoup mes cheveux quand il y a la fausse lumière, ça brille et tout. Bref, voilà, mes cheveux, vous les aurez vus juste avant sur fond blanc, c'était très moche. Mais j'avais la grosse flemme d'installer un autre fond. J'ai fait un petit make-up aussi avec des petits crayons de chez Avril et juste du mascara. Et voilà, sur ce, on est dimanche soir. Je vais aller ranger tout mon fatras maintenant que j'ai fini de tourner. Et bah, voilà, j'aime bien cette ambiance là, un peu Noël. Je trouve ça super chouette. Je vais vous souhaiter une agréable soirée et on se retrouve plus tard bah, pour la suite du vlog. Voilà. Oh,
j'espère que vous allez bien. Je suis toute rouge, on est mercredi 25 novembre et je viens de faire du vélo elliptique, comme en témoignent ces magnifiques auréoles. Non, il y en a que d'un côté. Bref, sur mon t-shirt, j'essaie de me motiver à faire du vélo elliptique assez régulièrement parce que vraiment j'en ai besoin, étant donné que je ne sors quasiment pas. Franchement, moi je suis confinée quoi. Je dois sortir une fois tous les 7 à 10 jours pour faire quelques courses. Et le reste du temps, à part la boîte aux lettres, je sors pas parce que voilà, je n'en ressens ni l'envie ni le besoin. Donc je respecte mon confinement. Je me dis que je vais prolonger ça si possible jusqu'aux vacances. Comme ça, quand j'irai voir ma famille, bah, je serai quasi certaine de ne pas leur faire prendre de risques. Et ce sera un très gros soulagement pour ma part. Je voulais vous montrer. Faut que je vous tourne et que je vous penche mon sublime t-shirt. Il y a le balai encore, mais vous verrez pas, je vais mettre devant le balai. Mon sublime t-shirt de sport. N'est-il pas merveilleux? Alors c'est un t-shirt qui habite, hein, pas du tout éthique ni rien. Voilà. Et sinon, je voulais vous dire que j'avais très envie de décorer un peu pour Noël mon appart. Alors j'ai des trucs, j'ai pas beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout de place pour ranger. En fait j'ai pas de cave, j'ai pas de grenier, j'ai pas de cagibi, j'ai rien. Donc j'ai un minuscule sapin tout pourri, vraiment pourri depuis, bah, depuis que j'habite ici. Donc ça fait à faire 6 ans. 7 ans peut-être, 7 Noël, non 6 Noël je crois. Et du coup j'ai craqué, je me suis acheté un petit sapin en bois. Alors toujours petit hein, parce que dans l'idée, j'ai pas trop de place déjà pour mettre un sapin. Mais alors pour le ranger c'est encore pire. Un petit machin de 30 cm je crois en bois. Je l'ai commandé sur Amazon, ne me tapez pas. Je vais le recevoir je crois en fin de semaine, je vous montrerai ça. Je vais aussi ressortir mes guirlandes lumineuses. Alors j'ai des guirlandes, vous savez, en forme d'étoile là, qui se pendent. Et j'ai aussi craqué, j'ai acheté un rideau lumineux sur Amazon. Ça fait longtemps que j'en voulais un, non pas particulièrement pour Noël, même si pour Noël je trouve ça cool, mais aussi pour décorer comme ça parce que je trouve ça trop joli les rideaux lumineux. Vous voyez, je pense le mettre à la place de mon truc là en mandala là que je peux plus encadrer. Je vais le ranger, je le ressortirai quand j'en aurai envie. Mais voilà, un rideau lumineux, je trouve ça trop beau pour des photos, pour les vidéos, etc. Donc ça c'est cool et j'ai aussi acheté des autocollants de fenêtres. Voilà, au début je pensais acheter du blanc de meudon. Pour peindre moi-même et en fait je me suis dit que ça allait me saouler. Je préfère largement faire du tricot que peindre sur les fenêtres. Donc voilà, je vais recevoir ça prochainement. Et d'autres choses, je voulais vous montrer, du coup je venais à la base pour ça. J'ai fait la fameuse coiffure de Lorraine pince-pince là, avec enfin replier les cheveux et mettre une pince. Donc en l'occurrence moi j'en ai mis deux pour que ça tienne bien pour le sport. Et je vais vous montrer au final, je trouve ça joli. Je trouve que ça pourrait tout à fait faire une coiffure pour sortir. Bon, de face, faudrait arranger ça un peu, mais de dos, je trouve ça passe nickel. Je vous montre. Voilà, moi, je trouve ça joli. Parlons crochet et tout ça. Je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer que je vous parle de crochet tricot. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Vous avez vu dans mes précédents vlogs la crèche que j'ai commencé pour ma maman. J'ai fini l'âne. Donc si vous cherchez la crèche, j'ai rien inventé. C'est les tutos de Mamie Crochet sur YouTube. Donc j'ai fait l'âne et j'ai commencé le mouton. Le mouton, c'est la dernière pièce. Je vous cache pas, j'en ai un peu marre de cette crèche, même si c'est très amusant à faire. Il a les oreilles un peu tordues. Je suis pas ultra satisfaite de sa tête. Il a les oreilles un peu tordues. Oh, père, s'il te plaît. Il faudrait que je rafistole un peu les oreilles. Bref. Voilà, l'âne est fait. Je vais faire le mouton. Après la crèche sera finie. J'aurai fini le cadeau pour ma maman. Donc ça, c'est cool. Et je suis en parallèle en train de faire des chaussons, chaussettes. En fait, des grosses chaussettes, vous savez, d'intérieur. Alors, c'est la première fois de ma vie que je tricote des chaussettes. Donc, vous voyez, c'est le talon et ça va se replier sur le dessus. Il y aura une couture. Parce que ça me faisait très, très peur. Et en fait, le hasard a fait que je suis une nana sur Insta qui fait des lives pendant tout le confinement à 18h et elle parle de sujets techniques, donc pour expliquer des techniques, ça c'est hyper intéressant. Et elle propose en parallèle des petits projets à faire ensemble, donc des cales en fait, mais elle les fait en même temps que nous. Elle les crée, c'est elle qui les design et elle les fait en même temps que nous. Donc il y a déjà eu une lavette et des mitaines que je n'ai pas faites. Et là, le troisième projet, c'était des chaussons chaussettes. Et donc j'avais trop envie, je me dis c'est l'occasion. Donc j'ai pris de la laine Julia de chez Iman. Qui n'est pas du tout adapté pour faire des vraies chaussettes en vrai, hein. Mais pour faire ça, c'est très bien, sachant qu'en plus je savais pas si j'allais y arriver, si ça allait rendre bien et tout. J'aime beaucoup la couleur. Bon, c'est 100% acrylique, hein. Clairement, c'est le genre de truc dans lequel vos pieds ne respirent pas du tout, puisque c'est du plastique. Mais voilà, je trouve ça chouette.
Voilà, alors pour la taille, je vous cache pas que j'ai fait un peu au pif parce que elle donnait une taille de tour de cheville mollet et en fait c'était beaucoup plus petit, enfin beaucoup, quelques centimètres plus petit que moi, donc j'ai bidouillé, j'ai pas fait d'échantillon, c'est mal. Et en plus là, je me suis amusée à faire du point de riz au lieu des côtes, parce qu'à la base je me suis gourée et qu'au final je trouve ça joli, ça sera moins élastique, mais c'est élastique quand même. Et voilà, et donc je suis même en train d'en faire deux paires en parallèle, parce que je voudrais en offrir une à une copine. J'avais l'intention de lui faire une paire de chaussons que j'avais repérées sur YouTube, et au final, bah si cette paire-là, elle rend bien, et ben je lui offrirai, et si elle est bien... clairement j'ai très envie de m'en faire d'autres parce que j'ai plusieurs couleurs de Royal de chez Imane et ma foi bah j'adore porter des grosses chaussettes, j'en porte tout le temps l'hiver chez moi des grosses chaussettes sur mes chaussettes et donc je trouve ça chouette. Voilà le côté tricot. J'ai des châles en cours aussi mais que j'ai complètement laissé de côté pour l'instant. Voilà, je peux pas tout avancer d'un coup. J'ai des châles en cours, ouais. Et là, ce soir, il y a deux boutiques que j'aime bien de laine qui vont faire des ventes. Alors, il y a Apollonie qui va faire des ventes, une vente d'accessoires, des pins, etc., des marqueurs. Je pense que je vais me faire plaisir. Donc, c'est des petits objets qui coûtent pas très cher. Donc, ça va aller le craquage. Ça va pas être exponentiel, je pense. Et par contre, il y a The Woolly Skine qui va sortir des kits pour faire des chaussettes, des kits de pelote. Et comme j'ai très, très, très envie de me mettre aux chaussettes, je vais... je pense acheter un ou deux kits. Et j'ai prévu aussi de m'acheter des aiguilles spéciales chaussettes. Parce que moi, vous savez que je tricote... Bon, là, c'est des aiguilles droites, mais principalement des aiguilles circulaires. Et il existe des toutes petites aiguilles spéciales chaussettes. Et je n'en ai pas. Donc, j'ai envie de m'en acheter. Ça coûte pas une fortune, hein, mais je pense craquer. Voilà, pour m'acheter des aiguilles. Je vous montrerai tout ça. Je sais que vous aimez bien quand je vous parle tricot-crochet. Donc, je vous montrerai tout ça quand j'aurai reçu. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je fasse une soupe de poireaux parce que je n'ai plus rien à manger comme soupe. Et il faut que je monte la vidéo sur les culottes menstruelles parce que je vous l'ai promise pour samedi. Donc, va falloir s'activer un petit peu. Et voilà, voilà. Hier, notre président a parlé à la télé. C'est fou. J'attendais rien de concret pour moi. Je veux dire, son annonce n'allait rien changer à ma vie. Mais ça m'a quand même ultra stressée. C'est fou le pouvoir anxiogène qu'ont les gens qui sont supérieurs à moi sur moi en fait le pouvoir anxiogène, le voyez le chef de l'État, c'est mon chef, et ben il a un pouvoir, une suprématie anxiogène sur moi de ouf. Il en est même avec mon supérieur hiérarchique au boulot qui a même s'il s'adresse pas à moi, enfin une suprématie anxiogène comme ça là sur moi, c'est dingue. Et mon père aussi, je pense que ça vient de là, hein, ça vient de mon éducation. C'est ouf, les gens qui ont un pouvoir comme ça, psychologique sur moi, ils ont une emprise. C'est absolument dingue. C'est vraiment, faut que je travaille là-dessus parce que c'est juste ouf. Donc ça m'a vachement stressé. Aussi pour ça que j'ai fait du vélo ce matin pour essayer de décharger un petit peu tout ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Quand je recevrai mes trucs de Noël, je vous montrerai. Quand je recevrai mes trucs de laine que je n'ai pas encore commandé, je vous montrerai. Et voilà, et voilà, et on va arriver en décembre, et là mon but c'est profiter, parce que le mois de décembre passe toujours beaucoup trop vite, et moi j'aime beaucoup 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 l'ambiance du mois de décembre, même si elle est particulière. Ce que j'aime bien, c'est, alors ce que j'adore, moi j'ai toujours dit ce que j'adore, ce n'est pas du tout le jour de Noël. Je déteste le jour de Noël parce que dans ma tête c'est déjà, c'est fini. Et du coup c'est ultra déprimant, mais j'adore préparer, donc décorer, créer des cadeaux, voilà, comme je suis en train de faire, ça c'est tellement un plaisir pour moi, c'est vraiment la phase que je préfère, voilà, de me dire tiens, je vais offrir ça à telle personne, je vais fabriquer ça pour telle personne, c'est ça que je préfère en fait, donc c'est ça qui me fait trop kiffer, donc je vais profiter de ces 30 jours plus ou moins qui arrivent avant Noël, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien, bon, je vous retrouve coiffée n'importe comment, hein. Il est 13h15, on est vendredi 27, vendredi 27 novembre, j'allais dire février, n'importe quoi, jour du sacro-saint Black Friday dont je me fiche éperdument en fait. Voilà, je ne sais pas si vous en avez profité pour faire des achats de Noël, c'est souvent le bon plan quand même. Moi je n'ai rien acheté parce que... Enfin, je n'ai rien acheté pour le Black Friday parce qu'il y a des trucs que je voulais acheter et bah, c'est des trucs chez des petites boutiques, des petits commerçants, des petits entrepreneurs, donc pas de Black Friday. Bref, je reviens parce que vous me tannez sur Instagram pour voir mes décos Noël, etc. Je vous ai déjà montré mes petites boules suspendues là à ma fenêtre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est assez cheap hein, comme truc, c'est Amazon, c'est du plastique, tout ça, mais ça fait son petit effet. Et j'ai acheté un tout petit sapin comme ça. Sur Amazon aussi, je sais, me tapez pas, mais voilà, c'était vachement plus pratique pour moi.
Je pensais qu'il était un peu plus grand, mais c'est pas grave. Pour décorer, voilà, comme ça, chez moi, je vais mettre mon meuble télé, je pense. Donc, bah, je vais le faire avec vous. Et ce que je trouve chouette, c'est que bah, c'est vachement... Alors, c'est assez cheap aussi, hein. C'est pas ultra, ultra bien fait. Il y a des petits bonshommes qui sont pas ultra bien peints, machin. Mais bon, dans l'ensemble, ça fera le job. Donc, voilà, on va le faire ensemble.